Salut tout le monde, c'est Lordfima. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ça y est, le temps photoshopé est là, mais par contre la version 2.0 chauffage est complètement en panne. On se les caille. Donc un grand merci à toi Kylian d'être venu me voir pour m'amener cette petite KTM RC125 2017. Donc comme d'habitude, on va aller voir ensemble dans le test classique de cette moto son comportement. Comme toujours, on est sur une 125, donc je vais pas m'embêter à dire waouh la vache, l'accélération, etc., etc. Non, pour les 125, je m'emmerde pas à chercher la patate. Donc celle-ci, on pourrait la comparer directement en termes de look, de position de conduite, etc. à la YZF 125. Ils sont entre guillemets des typées petites sportives, on va dire 125. Hein. Pot d'échappement Acra, mais bien entendu, hélas, la chicane, elle, est présente. La chicane est présente parce qu'en fait, sur les nouvelles, les nouveaux pots d'échappement, la chicane maintenant ne se dévisse plus, elle est soudée. Donc si tu veux la virer, tu es obligé de dessouder, etc. Et quand tu veux la remettre, bah, c'est la merde, faut ressouder, tu vois. Première spécificité de cette petite bécane là, on est sur une moto, vous voyez, 1m90. Bon, je suis peut-être, on va dire, la taille d'un crapaud dessus, on va dire. Mais par contre, par rapport à mes jambes, je me pensais beaucoup plus recroquevillé que ça. Et en fait, pas du tout. Mes jambes vraiment me gênent absolument pas. Il n'y a pas de calepiers ou autres qui vont me gêner au niveau des talons. On est légèrement sur l'avant, mais ni trop ni pas assez. Je veux dire, par là, ça va, je suis quand même assez posé sur les fesses. Il y a alors des freinages où on est contre le guidon, mais ça, c'est logique. Alors, pour le freinage, vous voyez, freinage à un doigt, wow, on va dire que le mordant de la YZF est plus présent. On ira voir après dans les gros freinages. On va voir donc l'accélération. Donc la une est assez courte. On est sur des rapports super courts. Ah oui, même très très court. La 4 m'a l'air un petit peu plus longue. On est donc sur une boîte 6 vitesses. Je la trouve assez souple. Elle craque pas trop, elle vient assez... Vous voyez, gros freinage là, regardez. Oh hey, putain, c'est pas mal. Alors faire attention toujours. Les permis 125, quand vous êtes à deux, faites bien attention. On est quand même sur... 15 chevaux, c'est pas énorme, donc quand vous voulez doubler, etc., faites quand même bien gaffe. C'est une moto vraiment qui cherche qu'une chose, c'est aller prendre de l'angle. Alors il m'a dit, lui, par rapport à la vitesse de pointe qu'il avait fait, je crois que c'était 130 ou 140, je crois qu'il avait fait. Vous voyez, et là il y a des gros freinages avant plus arrière. Elle se tire pas trop des fesses. Je veux dire, par là, elle reste vraiment droit dans sa ligne, elle va pas avoir les fesses qui vont commencer à partir à droite, à gauche. J'ai pas l'impression qu'elle plonge beaucoup. Suspension arrière très rigide, on sent quasiment pas que l'arrière pompe. Et l'avant non plus, quand je fais des freinages un peu appuyés, j'ai pas l'impression que la fourche, malgré qu'elle soit pas réglable, plonge trop. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et on est en la RC8 version Pocket. Et voici donc la fameuse KTM RC125. Donc physiquement parlant, c'est une moto de profil... on va dire, je la trouve jolie. C'est une jolie bécane. Par contre, là où le bas blesse, après les goûts, les couleurs, c'est comme tout. Là où le bas blesse, c'est la face avant, perso. Marquez-moi en commentaire, est-ce que vous aimez cette face avant, oui ou non. Je la trouve horrible. Après, c'est mon avis. Je la trouve vraiment, vraiment horrible. Bon, ils ont rajouté, vous voyez, deux petites bandes de LED devant et là, ici aussi. Mais je la trouve quand même très, très moche. C'est dommage, elle a vraiment une gueule raissée sur le côté. Mais les feux avant, ils auraient quand même pu faire un truc, je sais pas moi, plus... pas les deux optiques en mode je me réveille, j'ai la tête dans le cul quoi. Donc un cadre qui ressemble un petit peu d'ailleurs à toutes les Duke, vous voyez, on voit le châssis un petit peu tubulaire. Donc on voyait par rapport au profil, il y a quelque chose qui m'a choqué direct quand il est arrivé. En fait c'est la selle, vous voyez, tout ça en fait, on est sur une selle. En fait tout ça c'est une selle complète, arrière, biplace. Donc quand vous allez prendre quelqu'un, suivant l'épaisseur des fesses de monsieur ou madame, quand elle va s'asseoir, alors lui m'a dit que bah, quand il prend sa copine apparemment ça va très bien, et quand il prend une autre copine, et bah, ça va pas non plus. Donc suivant le gabarit de monsieur ou madame derrière, t'auras mal aux fesses ou non. Mais par contre la selle est grande, donc ça c'est pas mal, c'est un bon point. Mais ce qui est marrant c'est qu'ils ont vraiment fait la forme de toute la selle pour la coque arrière. Par rapport au réservoir, on est sur un réservoir qui est quand même assez gros ici.
avec des petites ailettes ici, un style d'entrée d'air sur le côté. On est sur du 11 litres. Alors 11 litres, lui, il m'a dit qu'il roule très souvent fond de taquet, si tu m'étonnes. Donc, de toute façon, on peut pas aller plus. Mais lui, il fait entre 250 et 280 km pour 11 litres. Donc, ce qui est pas trop dégueulasse encore, ça va. Même si, par contre, la YZF, elle, est le recordman du chameau. Je sais que mon pote qui en avait une faisait entre 400 et 450 km en lui tirant dedans constamment. Donc, sur cette moto-là, il a donc simplement juste le pot Acra, pas la ligne, parce qu'elle ne se fait plus sur celle-ci. Et comme je vous dis, la chicane dessus est soudée. Après, si vraiment vous prenez personne derrière aussi, je viens d'y penser, vous virez les cale-pieds, petit capot de sel, histoire de donner un petit peu côté racing. La bavette Vendée Globe, vous la virez, vous mettez une petite bavette sympa, et ça peut lui donner un cul affilé. Donc à l'arrière, par contre, j'aime beaucoup le feu arrière. Le feu arrière est quand même pas trop dégueulasse. Je vais vous l'allumer, regardez. Vous voyez, le feu allumé, je le trouve vraiment stylé. L'espèce de petite bande rouge en plein milieu. Autre chose aussi, par rapport au freinage, on est sur du monodisque. Bibre, donc Brembo. Alors, des personnes qui demandent ce que c'est ici, en fait, là, l'espèce de truc un peu orange cuivré, là. En fait, on est sur c'est l'antivol de chez KTM qui, en fait, se rajoute avec des entretoises sur votre étrier, ce qui permet, entre guillemets, de venir mettre, par rapport au petit trou, l'antivol qui va se prendre dans un des trous du disque. Donc, c'est bien, ça vous permet d'avoir un étrier directement à portée de main, pas besoin de le mettre sous la selle ou dans le sac à dos, ce qui est très dangereux ou autre. Donc ça, c'est quand même un bon petit point sympathique à relever. Donc ça, je n'avais pas vu aussi. Vous avez donc les clignotants intégrés dans les montants des rétroviseurs devant. On est sur une moto qui est en ligne générale et est quand même une jolie bécane. Comme je vous dis, il n'y a que l'avant qui est vraiment moche, que je trouve vraiment moche. Après, une petite bulle noire peut-être. Mais apparemment, là où c'est galère, de ce que disait un autre collègue qui avait déjà eu cette moto-là, en fait, c'est pour venir nettoyer à l'intérieur, vous voyez, entre la carrosserie et la bulle, pour venir nettoyer. C'est un petit peu la galère. Vous avez parfois des merdes qui viennent se mettre dedans. Donc c'est peut-être un petit mauvais point, une espèce de bulle qui prend vraiment tout l'avant, vous voyez, sur les côtés, ici, là, là, qui contourne vraiment, c'est pas juste en fait une petite bulle comme ça, clac clac. Alors, passons donc à ce petit compteur. Alors, là aussi, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis tous leurs efforts en fait sur l'arrière de la moto, mais en fait, l'avant de la moto, je pense qu'en fait, ça devait être l'heure de l'apéro. Ils se sont dit, allez, vas-y, c'est bon, on prend les anciennes gueules, on se fait pas trop chier entre guillemets en termes de design. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, il y a quelque chose que je remarque. Le compteur, c'est la version 2017 KTM. Allô, on est sur l'ancien compteur. Ils auraient pu mettre sur les nouveaux compteurs Duke, vous savez là, qui peuvent se mettre en fait en fond noir, fond blanc, etc. Suivant la lumière, vraiment mettre un compteur quand même beaucoup plus stylé. On est sur un compteur classique, un peu typé, on va dire Casio 35+, en termes d'écriture. Donc il va être composé comment? Donc en bas à droite, vous allez avoir une jauge à essence. En bas à gauche, vous allez avoir la jauge à température. En plein milieu, en dessous, vous allez avoir l'heure. Ensuite, la vitesse au milieu. Vous avez un tout petit indicateur de rapport engagé en haut à gauche. Vous avez les tours minutes, donc de 0 jusqu'à 13 000. Comme je vous dis, à partir de 6 000, ça commence entre guillemets un petit peu à donner, on va dire. Mais voilà, on est quand même sur du 15 chevaux, donc c'est pas transcendant en termes d'accélération, je vous le fais pas dire. Un petit bouton ici, mode et 7. Alors mode, en fait, ça vous permet de venir changer, vous voyez. Donc le trip 1, le trip 2, ça vous dit si la béquille est là, le nombre de kilomètres que vous pouvez faire avec votre moto. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'informations non plus. Vous avez des petits voyants sur la droite et en haut, donc à droite, vous avez le voyant, donc attention, je pense que ça c'est par rapport au fait qu'il y a la béquille. Vous avez donc un voyant aussi ABS, voyant neutre, voyant plein phare, voyant moteur, voyant clignotant, et en même temps shift RPM, en fait il va s'allumer pour vous dire en fait de passer le rapport, parce que c'est là où vous avez donc le couple max, le nombre de chevaux maximum pour pouvoir passer le rapport suivant. Sur la bête, tac, elle démarre, c'est déjà pas mal. Bon, ça braque, pas de problème. Droite, gauche, les butées, ça va, sont un petit peu loin.
Donc on est sur une moto, par contre faut savoir que la bulle qui est devant ne sert strictement à rien, c'est de la décoration. Elle vous protège absolument pas du vent. Enfin moi en même temps, 1m90, je suis forcément une voile derrière ce guidon. Alors l'inconvénient par contre des 125, c'est que c'est clair et net, que vous allez devoir jouer de la boîte de toute façon pour avoir entre guillemets une sensation de reprise, parce que démonter parfois en cinquième, vous reculez. Hein. Mais c'est les joies de la 125, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, par contre, je trouve qu'elle ne vibre pas tant que ça. Je pensais vraiment que ça allait beaucoup plus vibrer. Alors, il m'a dit, il m'a dit que lui, il s'entraînait au wheeling. Est-ce qu'on peut lever avec ça ? Est-ce que ça lève ou quoi ? 15 chevaux, 135 kg à sec. Oh là 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 ! Je suis un gros lourdeau. 15 chevaux là-dessus. Alors respect à ceux qui arrivent avec ceux qui arrivent à lever ça, mais en tout cas moi j'arrive pas. Par contre une fois lancé, c'est une moto qui accepte très très bien la mise en l'angle, les changements de. Les changements d'angle rapide sont présents. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par rapport au rétroviseur, je trouve que les sortes de montants un petit peu stylés futuristes sont un peu gros. Par contre les rétros eux d'origine sont assez efficaces, on voit assez bien derrière, ils vibrent pas, donc ça c'est plutôt pas mal. On va tester l'efficacité du frein arrière, voir si comment il réagit. Donc on sent quand même un point dur et quand on va plus loin la baisse s'enclenche. Ok, donc ça c'est pas mal. Oh là là, prise en 5, ah non, prise en 3, non, en 2. Un petit peu dommage que le Acras sente pas plus avec la chicane. Alors en termes de vitesse de pointe, c'est sûr et certain que la YZF est devant en termes de pointe. Je sais qu'on est à 137 km/h je crois sur la YZF 125. Par contre un petit comparo sur piste avec les deux, je ne sais pas trop laquelle pourrait être devant. Elles ont toutes les deux leur épingle à tirer du jeu. Voilà, elle a clairement rien en dessous de 6-7000. Je dirais même qu'à partir de 8000 ça commence à tirer. Enfin à tirer pour 125 bien sûr. Hein. Mais en soi c'est quand même une petite bécane qui se. Oh fuck. Alors les rapports sont vraiment courts. Donc faut vraiment jouer de la boîte. Mais vous voyez par contre, c'est une bécane ultra légère en termes de. Ça se fout dans l'angle en 4 secondes mon gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Là dans les petits pif-paf, franchement, petite route de campagne ou petite route de montagne avec des virolos vraiment très serrés, il y a moyen de distancer un peu plus gros que soi, ça c'est sûr. Très bon point pour les suspensions qui eux, perso, rien à dire. Ils font leur boulot, ils pompent pas trop. Pourtant je suis un gros lard dessus et non, ça le fait. Alors par contre c'est marrant, je suis en train de regarder le tableau de bord et en fait il te dit la consommation mais à l'inverse, tu vois. Genre nous on dit que tu fais genre du 5 litres au 100, sauf que là c'est l'inverse. Genre là en roulant comme ça je peux faire 51 km avec 1 litre. Si je dis pas de bêtises, ils ont inversé le truc en fait. Il n'y a personne derrière. Ah, est-ce que mes petites poules sont là? Est-ce que mes petites poupoules sont là? Eh ben non. Eh ben non, là il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Je pense qu'il doit avoir un froid les milices. Allez, on avance. Ouais, ça sautille pas tant que ça, ça va. Mais je pense très clairement qu'avec ce type de moto là, t'as le genou dans toutes les courbes, t'as le genou au sol. Hein, tranquillement et sans forcer. Ouais, sans souci l'angle, hein. Ça bouge pas. Hein. Comme je dis pour toutes les motos 125, en termes d'accélération, c'est clair que j'ai plus l'impression de rouler qu'un scoot parce que t'es constamment poigné au taquet, on va dire. Mais j'ai réussi à apprendre à travailler sur moi et à me dire qu'il n'y a pas forcément que l'accélération 125. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Parfois, il y a le châssis, les suspensions,
Le freinage, la position de conduite, l'autonomie, il y a plein de choses qui sont intéressantes pour vous les jeunes permis 125. Et ça c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Vous voyez le freinage par contre, quand on va mettre vraiment complètement en appui avec la main complet, la moto elle ne bouge pas. Franchement elle ne bouge pas. Elle reste bien droite, elle ne vous fait pas des choses un peu bizarres. Aussi comme je suis grand, 1m90, quand je mets deux pieds au sol, j'ai vraiment les deux pieds à plat complètement. Je sais que Kylian, lui, était plus petit que moi et il se met sur la pointe des pieds tranquillement, sans trop forcer. Donc c'est un plutôt bon point. Donc je vais faire aussi juste un petit aparté parce que j'ai beaucoup de personnes en live qui me demandent, et même en message privé, si je ne connais pas sur Facebook des groupes de moto pour pouvoir organiser des balades, pour pouvoir parler moto, etc. Bah moi, je connais un groupe sur Facebook qui s'appelle Motard Club France. Donc je pense que certains d'entre vous sont déjà dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller rejoindre ce petit groupe-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Ça parle tout le temps, ça parle bécane, il y a énormément d'échanges. Et franchement, dans l'ambiance, c'est plutôt cool. C'est pas trop prise de tête. On découvre des nouveaux petits modèles, on découvre plusieurs petites choses. J'ai appris pas mal de choses là-dessus aussi. Donc en tout cas, si jamais vous voulez rejoindre un groupe Facebook qui parle de moto et que de moto, et ben rejoignez sur Facebook Motard Club France, sur Facebook. Et allez présenter votre belle si vous avez une jolie petite moto, que ce soit 125, gros cube, ou que ce soit, toujours dans le monde de la moto. C'est sûr que vous allez venir avec votre scoot, peut-être pas forcément vous accepter, tu vois, mais vraiment, le monde de la bécane. Donc n'oubliez pas, équipez-vous par un temps comme ça, ou un temps plus ou moins photoshopé. Équipez-vous, c'est très important. Moi, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, et gros bisous tout le monde. Salut, ciao, ciao.